Salut, wesh les frères, j'espère que vous allez bien. J'ai lancé plus tôt, c'est les horaires de live de TK. Voilà, ça me fait trop plaisir, même moi les frères, ça me fait plaisir. Nouveau départ les frères, nouveau départ. Là on est avec TK, tranquillement. Le programme du live les gars, on va faire des duos avec TK, on va parler un petit peu et tout. Et après il y a JP qui va nous rejoindre, et on va rendre fou JP. Moi j'ai jamais joué avec JP, j'ai jamais parlé avec lui. Mais je vais insulter sa grosse daronne, même si je le connais pas. Je vais insulter des daronnes aujourd'hui. Ansar, toi t'en penses quoi? Vraiment vite fait, juste pour faire la conversation. Toi t'en penses quoi de ce qu'il a dit Balchi par rapport aux meufs? Ansar, hein, ton raisonnement, ça veut dire ton point de vue. Hein. Ah moi, ouais, genre si les meufs à se mettre tout à poil. Ouais non, en fait t'en penses quoi de son discours, de ce qu'il a marqué, c'est tout. Est-ce que t'es d'accord, est-ce que t'es pas d'accord? Si t'es d'accord, explique pourquoi. Si t'es pas d'accord, explique pourquoi. Non, en vrai... Moi, tu sais, genre, je regardais pas trop les meufs sur Twitch et tout, à part Julia Bayonetta, parce que je la trouve trop fraîche. Ouais. Mais en vrai, non, elles sont habillées. Hein. Juste, y a des meufs, tu sais, j'ai vu une meuf, elle se mettait en maillot de bain dans son live et elle réclamait des dons et tout, ça, j'ai vu. Mais après, non, sinon, ça va, genre, elles sont pas toutes à poil et tout. Moi, en ça, ouais, enfin, moi, je suis d'accord avec toi. Du sens où moi je suis en désaccord avec ce qu'il a dit Balti, moi ça reste mon point de vue. Hein. Ouais. En ça, quand tu compares notre communauté FR comparée à celle. Comment s'appelle la fille là Amouria là. Comment s'appelle la fille qui lèche des micros là? Hein? Y a une dame là qui lèche des micros. Arrête. Vraiment? Amourante, voilà, c'est bon, merci, c'est bon. C'est qui? Tu... En gros, c'est une meuf, c'est une daronne, ça pourrait être la nôtre. Je sais pas à quel âge, à suce des micros. Voilà, après. Attends, on va où là? Après, hein? On va où? On va là où je suis, Agathema. Regarde. T'es où toi, BK? Je suis loin, tu m'as rien dit. Ah frérot, mais ouais, mais regarde le point! Regarde où je suis. Regarde! Y a pas de point! T'es pas hyper il y a pas de point là, ce que tu m'as dit. Oh là là. Attends, ah oui, attends. Voilà, là y'a un point là. Ah ouais, mais 50 ans après! Voilà, bref, Amourante, quand tu compares la communauté étrangère comparée à la nôtre, la française, la communauté française, on est des saints. Hein. Enfin, elles sont des saints. Enfin, elles sont des saints. Elles sont saintes, pardon, excusez-moi. Je retire ce que j'ai dit. Alors, comme ça, BKH, tu me dis si c'est vrai ou pas. Vas-y. D'accord? Est-ce que t'es sincère? Vas-y, ouais, vraiment. C'est vrai que pendant un live, t'as insulté des handicapés? C'est un handicapé, il m'a dit qu'il me battait à la bagarre. Je précise. Je te jure, un handicapé en fauteuil roulant, il a dit qu'il me battait à la bagarre. Et après, il y a tous les handicapés qui veulent ma peau, ils veulent me taper et tout, vraiment. Mais attends, ça, tu t'es embrouillé avec... Non, mais quand c'est comme ça, frérot, laisse-le avoir raison. Tu m'encules, tout ce que tu veux, faut leur dire... Non, sûrement pas. Donc toi, t'es sans pitié avec eux. Et non, mais en fait, moi, tu sais, c'était pour rigoler, je lui ai dit ouais, lève-toi, sinon t'es homosexuel, tu sais, comme il est en fauteuil roulant. Oh, waouh, sérieux? Et après, il l'a mal pris et tout. Ah, frérot, y'a de quoi? Faut pas leur dire des trucs ça comme toi. Mais moi, je rigolais avec lui à la base, hein. Mais ouais, mais je veux dire, faut pas rigoler avec des trucs comme ça, frérot. Le roi Théo, hey, frérot, si t'écoutes ce message, big up à toi, frérot, faut pas écouter cet enfoiré, hein. Gros big up, le roi Théo. Merde. Je rush. Va le chercher. Oui! Bien joué, ça, BK, voilà! Il est où? Là, gauche! Non! Putain, mais BK, mais on va pas tout seul, toi aussi! Média! Parce que c'était Halloween! Vas-y, on fait rejouer. Bah, salut JP, on nous entend, super, merci. Salut. La voix de toxicomane de JP. Non, commence pas, wesh. Oh, ta mère, elle a la même voix, là. Oh, ferme ta gueule. Le 1v1, ça va être entre BK et JP, d'accord? Okay, ouais. Celui qui perd, il doit chanter une chanson. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi ou pas? Moi c'est bon, si les deux acceptent, c'est bon. T'as fait quoi ta journée? Muscu. Hein? T'es à la muscu. Quoi, t'as fait de la muscu, toi? Bah ouais. Ouais, mytho. Gros, t'as une tête, t'es frêle comme un truc, commence pas à m'énerver, gros. Non, moi je suis musclé. Ouais, t'es musclé, waouh. Tes muscles, ils sont partis en vacances? Mes muscles, ils sont partis au même endroit que tes cheveux. Ouais, dans la chatte à ta mère, quoi. Alors Comment c'est pas Non, attends, je suis l'arbitre. Du calme. Calme, les gars. Attends, rapidement, t'as des cartons jaunes ou pas? Oui, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la tenue, j'ai le carton rouge, j'ai le carton jaune. Et c'est JP, il a une grosse calvitie, il parle mes muscles. Il parle pas de ma calvitie, je parle pas de tes muscles qui sont inexistants. Vas-y JP, vas-y rentrez. JP, rentre. Vas-y, rentre, attends, tu changes d'équipe, attends, tu mets rien. Attends, mais y'a pas besoin de changer d'équipe, j'ai juste à lancer. Et moi je prends. Putain! Ah, dommage, BK.
hop, lance ta cadeau. Voilà. Ça commence déjà. Allez. Voilà. Te laisse pas faire, Rebecca. Et je suis mort aussi vite que ses cheveux, ça me fait chier, ça. Ah bah, comme ça, tu feras un peu, tu t'aimerais un peu ta puce ta gueule. Bah bien joué, Becca. Voilà. Allez, allez, une balle chacun. Là, c'est la première, là. Allez, Becca. Fais gaffe. Allez, on recharge, tranquillement. Oh, mon trombone, Becca. Aïe, 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 fais gaffe. Voilà. Bah aïe, aïe. Dans ta gueule, le chauve. Dans ta gueule, le chauve. Ferme ta gueule. Dans ta gueule, le chauve. Bamos. Eh, ferme ta gueule déjà, premièrement. Bah alors, le chauve. On a fait un exploit pour toi, parce que normalement, le barrette, c'est à distance. Vu que tu sais tu louches et que tu sais pas viser droit, ouais. On a fait beaucoup. J'ai pas des lunettes, JP. C'est bon, allez, ouais. Gogo. Ok, ok, les gars, ça fait 1-1. Allez, hop là. Allez, c'est parti, fais gaffe, hein. Continue comme ça, Becca. Vas-y, Becca, vas-y. Ouais, go. Ah, Becca. Moi, je suis nul. Je suis plus fort avec les meufs. JP, il joue toute sa vie à la play. Il a pas de vie sociale. Moi, je baisse des meufs dans la vraie vie. JP, il fait rien. Non. Attiens, il a du succès avec les meufs aussi. Ah, il a du succès, JP. Ça fait 10 ans qu'il a pas baisé, mais il a du succès. C'est quoi ça? Non, Becca, là, c'est une chose. Sniper. Si t'existes, c'est parce que j'ai baisé ta mère avant. Oh, Becca. Alors toi, si toutes tes modératrices elles vont pas passer dans mes DM et ta grosse daronne aussi, alors là. Fais gaffe. Ouais, prends-toi ça dans la gueule. Va te chercher, Becca. Mais c'est quoi ce truc? Il joue au jeu. Mais je joue même pas au jeu. Hey, hop, dégage. Voilà. Allez. Pas grave, Becca, c'est pas grave. 4-1, waouh. 4-1 pour JP, ouais. T'as sauvé l'honneur, hein, mais tu sauveras que ça, quoi. Becca, tu sais la différence entre toi et JP, c'est que lui, il connaît la map par cœur. Mais oui. Et moi, je connais Chouquette par cœur, moi. Tu dis au cul, c'est ta faute, hein, c'est pas la mienne, hein. C'est son chien. C'est son chien. Ouais, personnellement, ah merde. Moi, hein. Ah, t'as pas des meufs à présenter à JP, Becca? Ouais, sûrement pas, regarde sa gueule, personne veut de lui, hein. Ouais, t'inquiète pas, j'ai beaucoup de charme, j'ai beaucoup de trucs. De charisme. T'inquiète pas pour moi. Ouais, les gens ils disent, faut que JP il tweet qui connaît un bon dentiste. Vas-y, ouais, vas-y, s'il te plaît, ça ouais. C'est bon, JP? Allez, c'est bon. J'espère que j'ai un jour que t'auras pas un accident et de super va pas tes dents. Non, attendez, non, il aura pas d'accident. Non. Il connaît pas l'histoire, Bécage, mais il a fait un plongeon sur une dalle. Hein? Comment ça, Attends. Comment ça, il a fait un plongeon sur une balle? Sur une dalle. En fait, s'il a plus de Chico, JP, c'est qu'il a fait un accident. Ah! Ah merde. Ouais. Et maintenant, il croit que la vie a pleine dents. C'est bon, t'es calme. Ouais, mais le jour que je vais en Turquie, que j'aurai fermé mes dents, vous allez être choqués, vous allez fermer vos gueules. Non, mais, ça, c'est une certitude. Refais tes cheveux au passage et refais plein d'autres choses. Non, mais par contre, notre rôle, Bécage, t'as pas une meuf qui veut passer un date avec JP sur Discord? Mais je te jure que non. Mais attends, JP, moi j'ai une vraie question pour toi. Est-ce que tu as déjà fait l'amour gratuitement? Genre sans payer? Bah ouais. Vraiment ou pas? Il a eu des longues relations, JP. Hein. Moi j'étais là quand il avait payé. Mais ouais, il s'est fait sucer pendant une minute, un truc comme ça. Ouais, ça a duré. Il s'est fait sucer pendant une minute? Vas-y, c'est bon. C'était combien? Attends. JP précoce. Non mais en vrai, genre pour sa défense, on était pressé. Safine, je vais dire une chose que Janoun a dit. Elle a dit simplement, c'est pas drôle. Quoi? Non. Voilà. Vous pouvez rigoler tout ou tel n'importe quoi. Mais de la vie, Moi par contre j'ai rien dit. Voilà. Et si je dis pas de bêtises, t'étais un des premiers à l'avoir dit sur ton live en plus. Ouais, si je peux me permettre. Et en plus de ça, ça a duré exactement le temps qu'on fasse le tour du rond-point. Donc c'était manqué de minutes. Et tu l'as déjà dit sur ton live, donc il a rien dévoilé. Ouais, c'est ça. C'est moi, JP, vas-y. Et pourquoi tout le monde me dit que JP a déjà fait des trucs avec Chouquette? Non, faut pas. Alors, comment non? Non, mais JP, y'a rien, tranquille. Y'a rien, JP. Non, JP, tranquille. Moi aussi, je peux dire quelque chose, mais ça te mettrait quelqu'un dans l'embarras. Allez, boude pas, JP, c'est bon, c'est rien. Oh, tu t'es fusissé, c'est pas grave, tant mieux d'ailleurs. Pendant une minute. Ah, mais ouais, non, mais arrête, Becca. Pourquoi je t'ai dit? JP, c'est pas grave, on s'en fout. Il a trop le seum, JP. Il me spam de il a trop le seum là. Je suis plus le dernier. Va sur son live. Attendez, vas-y, je vais. S'il te plaît, sans lui. Ouais. Allez. Vas-y. Dégage. Oh, il a mis un coup de boule. Dégage.
Il lui a mis un coup de boule. Il lui a mis un coup de boule. Ouais. Ouais, les gars, tu peux rien faire. Il a fermé la porte à clé, les gars. Il ferme à clé. Ouais, gars, Tom, il t'a mis un coup de boule. Non, il m'a pas touché. Heureusement, je dois être démonté. Hein? Oh, putain! Mais en tout cas, il a essayé de nous mettre un coup de boule! Oh mon dieu, qu'est-ce que j'adore la bemande! Je suis sur un doubé sans lèche qui est plus qu'un plat de cheese dans l'ail. Quand t'es bonne cette année, on arrange pour home drive. Tu pensais nous voir sur du régulat, c'est comme bombarde. On met des bombes, on se barre dans les temps, les mains pleines de ces bombes. J'ai fumé des mélanges, on va chérir les crèmes, ils vont fumer du comme ils ont pas trouvé les plans. Donc on appelle les camps, si c'est disque.